Bonjour à tous, du carotte cake pour faire aimer les carottes. Mais pourquoi est-ce que les petits, voire même les grands, n'aiment pas les carottes cuites? Mais grâce aux épices qui se marient bien avec les carottes, cette recette d'origine américaine va retrouver toute notre estime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, la recette arrive! Comme d'habitude, je vous donne les ingrédients au fur et à mesure qu'on avance dans la recette. Je commence par mettre 100 g de farine dans un bol, puis 125 g de poudre d'amande, ensuite 150 g de sucre en poudre. Viennent après le massis, la cannelle moulue, le gingembre et la poudre du zeste de combava. Une demi-cuillerée à café de chaque suffisent. Je mélange bien. Je vous rappelle que toutes les épices que j'utilise dans mes recettes viennent de ma boutique le www.épiceslecanto.com. J'éclaircis 4 œufs pour ne récupérer que les jaunes d'œufs dans un premier temps. Voilà. À chacun sa technique pour éclaircir les œufs. Moi, je garde de côté les blancs et je me sers de la coque pour récupérer le jaune. Ah, j'ai failli oublier le sachet de levure boulangère. C'est pas grave. Je mélange bien et comme vous voyez, j'obtiens une espèce de pâte sablonneuse. J'ajoute un demi-verre d'huile de noix et la consistance paraît sèche, mais vous allez voir avec la suite, ce sera parfait. Donc, je vais garder ça de côté pour m'occuper de la suite. J'ai là 300 g de carottes que je vais râper. C'est plus rapide au mixeur, bien sûr, au moulin. Et j'ajoute ça à la préparation précédente. Puis, j'ajoute 125 g d'amandes effilées. Et c'est seulement après que je lève le blanc des 4 œufs précédents en neige. C'est plus rapide avec le robot mixeur. Voilà. Donc, j'ajoute ce blanc en neige à ma préparation et je mélange délicatement. Vous voyez? Là, nous sommes sur une vidéo, mais vous avez plus de détails sur mon blog lecanto.com et je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Donc, la carotte est humide, les blancs d'œufs en neige sont humides, donc la consistance est parfaite. J'ai beurré mon moule et je verse mon appareil dans le moule. J'étale bien comme il faut, sans tasser quand même, et le moule est rempli à 2/3. Je vais déposer ça, faire cuire ça dans un four préchauffé à 180 degrés et je laisse cuire pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je vérifie la cuisson en plongeant la pointe d'un couteau. S'il en ressort propre, c'est que c'est cuit. Vous voyez, c'est parfait. Je laisse tiédir un peu avant de démouler et pendant ce temps, je vais préparer le glaçage. Pour cela, j'ai besoin de 150 g de fromage Philadelphia. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le fromage de type Saint-Mauré. Et à cela, j'y ajoute 2 cuillerées à soupe de sucre glace. Je mélange bien consciencieusement. Et maintenant, on peut passer au glaçage du cake, du carotte cake. Ce gâteau américain, mais qu'on aime tous, hein, pas besoin d'être américain pour l'apprécier. Donc, j'enduis délicatement les parois de mon cake avec ce glaçage fait de
fromage Philadelphia et de sucre glace. Là. Et comme je n'aime pas faire comme tout le monde, je vais faire joli en saupoudrant de restes de carottes râpées au-dessus et je trouve ça très joli. Ça nuance les couleurs. Et avant de passer à la dégustation, il faut bien évidemment couper des tranches suffisantes pour tout le monde. Et ça, ça va faire un goûter agréable. Et même s'il en reste, on peut le déguster au petit déjeuner avec du lait ou du thé. Là, regardez comme la pâte est spongieuse et tendre et moelleuse. C'est parfait pour un goûter. Là. Si c'est pas joli, ça. Vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté d'huile comme dans la recette originale américaine. Parce que l'onctuosité des amandes suffit. Car nous ne sommes pas là pour prendre des calories, mais pour bien manger. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets épicés. Veloumé!